lâche! T'es au taquet! Oui! Dis-le, je suis au taquet! Je suis au taquet! Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Salut, ça va? Bien dormi? Ouais. Eh, hey, regardez. Ça ferait un sacré plateau, ça. Hein. Nika Deroute, il m'a dit ça hier. Et j'y avais pensé il y a deux jours. D'ailleurs, on a essayé de rentrer la voiture dessus. Et il reste bien ça de chaque côté. Donc, juste ça, on lui claque une flèche, deux essieux, et ça peut faire un porte-voiture. C'est super costaud, c'est déjà tout galvanisé. Franchement, c'est tentant. Ah ouais, c'est trop tentant. Mais bon. Ouais. À voir. Les vérins, ils vont être à vendre aussi. Et le groupe hydraulique. Il va falloir que je revende ça. Mais ça, je vais voir ce que je vais en faire. Parce que franchement, c'est tentant. C'est vraiment costaud. Et ça fera un chouette porte-voiture. Enfin bref, voilà. Allez hop, on retourne sur le chantier. Aujourd'hui, oh, je suis motivé là. Je suis en forme et je suis motivé là. Je me suis couché à 9h hier. Je me suis endormi à 2h. On n'arrive pas à s'endormir hein, quand on a l'habitude de se coucher tard. On se met au lito. Et non, on reste éveillé, on réfléchit trop. Et j'ai pas réussi à m'endormir avant 2h. Moi, c'est pas grave, hein, ça fait partie du truc. Là, aujourd'hui, on va meuler, on va enlever ces foutus meubles. Ça a assez duré. Voilà, ça a assez duré. Je vais tout découper de façon à ce qu'on puisse récupérer certaines parties. Si Jean-Philippe, il en a besoin, eh ben, on pourra les récupérer. Comprenez? Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle assistant, Théo. Bonjour. Oh bah c'est un petit bonjour, ça. Ah, bonjour les bandits. Hey, bonjour les bandits. Attends, faut s'échauffer avant. Parce qu'il faut s'échauffer, on va faire du lourd. Il faut s'échauffer. C'est bon, on est chaud là. Chaud comme une baraque à frites. Oh, aujourd'hui, oh, je suis plein de nerfs aujourd'hui. Oh, je suis plein de nerfs. Ah, c'est la rage. Voilà. Oh, la vache. Skol. Skol. Le dos bien droit. Elle est lourde, hein, celle-là. On va l'appeler la grosse Bertha. C'est pas la team que t'avais, hein? Ah non, bah la mienne, elle est décédée. Malheureusement. Cela dit, oui, Jérémy, t'as cassé ton échelle. Si vous regardez bien la vidéo, d'accord, si vous regardez bien la vidéo, à un moment donné, elle tombe par terre. Pourquoi on m'a pas dit, pourquoi vous m'avez pas dit tout simplement, Jérémy, mets ton frein à main, va enlever ton échelle. Personne m'a rien dit. Moi, je voyais pas tout ça. Voilà. Donc bah rip l'échelle. Alors aujourd'hui, on enlève tous ces meubles. Je veux qu'il n'y en ait plus un seul. Est-ce que c'est clair? C'est pas j'aimerais, c'est je veux. Il n'y aura plus un seul meuble ce soir. Je n'irai pas me coucher tant qu'il y aura encore tous ces meubles. Est-ce que c'est clair, mon petit bonhomme? Ok. Hein? Voilà. Donc là, alors le but du jeu Théo, ça va être d'enlever le groupe hydraulique. Il va falloir que j'aille le débrancher. D'ailleurs, on va regarder. Voilà, tu vois? Là, il y a du jus. J'ai un coupe-circuit au niveau des batteries. Je vais le couper. On va regarder s'il y a toujours du jus. Dans un premier temps, tu enlèves tout le matériel ici. Ok. Parce que je vais tout meuler. Ok? Ok. Moi, je vais aller débrancher les fils. Les deux caisses, je les descends parce qu'elles sont lourdes. Et t'enlèves tout. Que tout soit propre. Tu vois, il y a un sac poubelle pour mettre les petits trucs à la poubelle. Tout ce qui traîne, tu mets tout à la poubelle. Et ensuite, moi, j'arrive avec le matos. Et là, on découpe. On tronçonne. Oh, je veux tronçonner aujourd'hui. Galérer ce meuble, ça me fait galérer ça. Ah, ça bouge. Ah, le bois ici, il est gorgé d'eau. Et...
C'est à toi. Ah, je l'ai eu. We had the chance to meet you. Caught my eye and you held my stare. I haven't broken it yet for over 50 years. Thanks for letting me lay by your side and all those kisses every night. Why, when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is the dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life? Du renfort à Charlotte, parce que là... Ça commençait à être un peu lourd. Donc là, on a enlevé déjà un côté. On va les manger à la soupe. Parce que là, bah ouais, tu dis pas qu'en fait, je suis venue te chercher. Ça commence à creuser et je te fais bosser. Et là, il fait bosser. Je suis en peignoir. Voilà, donc on commence à avoir plus d'espace. Hein. Va falloir que ça sèche, hein, chouchou. Le plancher, là, il est imbibé d'eau. Bien, tu vois, ça commence à sécher, mais ça va pas sécher en une journée, donc il faudra laisser un maximum ouvert. Ça serait bien qu'il pleuve pas, mais il n'y a plus d'entrée d'eau, tout ça, c'est bon. Après, il y a peut-être quelques petites bricoles à fignoler, mais bon, pour l'instant, ça va. Voilà, on enlève ça, et après, j'attaque les coffres extérieurs, j'enlève tout, et on repartira sur de bonnes bases. Le coffre à batterie, il est en hauteur, avec un petit coffre en dessous qui est tout rouillé. Tout ça, je vais virer, je vais faire des gros coffres, avec des emplacements pour les batteries, tout ça. On aura beaucoup plus de place. Ouais, ça passe, je sais pas. Ouais, on sait pas si les bouteilles de gaz elles passent, non. Mais je peux pas mettre les bouteilles de gaz en dessous. Je vais faire une entrée dans la caisse, parce que comme la caisse elle bouge un peu, le tuyau de gaz rigide à un moment donné va finir par péter. Tellement de contraintes. Donc le gaz, faut que ça reste à l'intérieur avec un coffret étanche qu'on pourra accéder de l'extérieur. Voilà, allez hop, c'est tout. Hein. Ah, je suis content parce que là je commence à mieux visualiser, t'as vu? On croirait qu'elle est petite, mais en fait, elle est bien, quoi. J'essaie, il y en a, ils vont dire, vous allez faire comment pour mettre 6 personnes là-dedans? Ah, mais il y en a beaucoup qui l'ont. De l'ingéniosité, et en fait, de la simplicité. Tout, hein, simplement. Tout simplement. Moi, ce que je veux sur ce véhicule, c'est qu'il soit le plus léger possible, même si c'est un poids lourd. Je veux qu'il reste assez léger, je veux que ce soit simple, et voilà. Et de toute façon, on ne va pas vivre H24 dedans, on va aller faire des pays qui seront entre guillemets chauds. Et Poitiers, Niort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bordeaux, y a Quimper, voilà, on va faire vraiment tous ces pays-là, vous voyez, ces gros pays du Sud, vraiment hyper chauds, comme on est vraiment des hyper gros, gros baroudeurs, voilà, on est des globe-trotteurs en fait, mais en France. Et du coup, vous allez voir qu'on va vachement vivre dehors, et je le répète, la cabine, ça va être vraiment une pièce de vie aussi, on va s'en servir, voilà. Et il n'y aura pas de passage entre la caisse et la cabine, on ne veut pas ça. Je vous rappelle qu'à la base, on devait partir avec des 4x4 VL, donc un véhicule léger, et des tentes de toit. Donc là, c'est le grand luxe pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si c'était une grosse tente. Il faut prendre ça comme ça, il ne faut pas prendre ça comme un mini appartement, comme Captain avant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous verrez tranquillement, par la suite, comment on va l'aménager. Et ça sera un petit nid d'oubli quand même. Got to dance with my best friend, so I'm the luckiest man that's ever been. Allez, c'est bon, là on attaque la deuxième partie. Je commence à mieux comprendre comment ils ont été montés les meubles. Et je commence par enlever toutes les planches. Ensuite, je me retrouve avec la structure en acier, puis là je peux la découper. Facilement, c'est ça qui est bien. Et trop bien, regardez. Enfin, trop bien. Jean-Philippe, il a eu une panne de courant, mais c'est général. Hein. Tout le quartier a été coupé en courant. Du coup, j'ai sorti mon groupe. Je m'en étais jamais servi de ma petite télécommande. Vous écoutez, vous entendez, là, regardez. Hop, 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 regardez. Voilà, je l'éteins. Comme ça, je fais ma visseuse, tout ça, à droite, à gauche.
Ok, ça évite de trop consommer. Et puis quand je veux rallumer, j'appuie sur le petit bouton. Hop, je le range. Ça y est, le groupe est démarré, je peux faire de la meuleuse. C'est trop bien, ça évite à chaque fois courir aller pour l'éteindre et tout. J'en suis super content de ce petit groupe électrogène. Je sais pas combien on enlève, mais on a du poids là. Ah ouais. Là, on va en remettre, hein, vous allez me dire, mais on enlève du poids. Ça, ça tient bien, ok. Hop, regardez. Petite coupelle. Hop, aimantée. J'enlève mes petits boulons. Hein, ça marche pas. Nul. Ah, peut-être parce que c'est l'inox. Ah, voilà, là, ça marche. Vas-y, lui, viens avec la musique, comme ça, il partage même pas. Attends, vas-y, rentre. T'es cru où, là? Hein? Regardez. Hop. C'est excellent. Et si tu veux pas perdre tes embouts, mets tes embouts. Tu peux être sous une voiture. Hop. Tu mets tous tes vis et tu les perds pas. Hé, hey, ça, c'est trop bien, ça. Ok. Bon voilà, vous avez vu l'intérieur, c'est fini. Je devais faire ça en 2 jours et j'ai fait ça en 1 journée, donc c'est cool. Tout à l'heure, on va aller mettre du gasoil avec le camion. Et je le remettrai après dans la voiture parce qu'il faut que j'en mette dans la voiture. Mais je veux faire le plein pour voir combien on a consommé sur la route. Et là, je suis en train d'enlever ces coffres qui sont complètement pourris. Ici, on refera des coffres tout neufs, tout beaux, puis on intégrera les batteries dans le coffre. Ça sera déjà plus sécurisant et on va gagner en place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura le même coffre ici et un autre ici, puis ça sera des coffres entre guillemets étanches, hein, parce que là, pas du tout étanches. Hein. Un petit peu bouffé par la rouille. Hein. Oh, bah d'accord, la porte est venue avec, tiens, hop. Voilà. Thank you.
un peu de mal. Bah attends, ça fait l'impression que tu fais 15 mètres de long. Hein? Ouais, grave. Mais non, en fait, tu braques, elle est comme une voiture. Le seul truc, moi, ça suit tout seul. Le seul truc qui est casse-pied, c'est que ça braque pas. Je me suis fait avoir là-bas. Et ouais, t'as l'impression que tu fais, bah, tu fais la taille du bus en fait. Ça fait que 7 mètres. Et ouais, et c'est hallucinant. Et en fait, ça se conduit super bien. Mais en même temps, c'est la première fois que je le prends. Et tu me fais faire des manœuvres. Et alors ? Sur des petites routes. Mais franchement, c'est vrai. On est venu mettre du gasoil pour voir combien on avait consommé. Donc là, je suis en train de faire ma conso. Et ça donne... Oh, joli, regarde. 20 litres. 20 litres. On a fait 20 litres pour le ramener. Il était chargé. Et on a roulé dur quand même. Hein, parce qu'on voulait arriver vite. Oh, je suis content. Ah, c'est pas mal. Je suis content. Franchement, pas mal. Vu tout ce qu'on a enlevé aujourd'hui, on va rouler, je pense qu'il fera pas plus de 8 tonnes quand il sera en ordre de marche. Donc, on peut espérer tourner aux alentours de ça. Et j'ai pas du tout roulé économique. Hein. C'est cool. T'es contente ? Ouais. Elle est cool. Salut! Nouvelle journée, il fait un petit peu froid ce matin, une petite gelée. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a fait hier. On a enlevé tous les coffres et vous allez voir que les lames, elles sont vachement... il a gagné en fait, on a dû enlever, je pense qu'en tout, on a dû enlever pas loin de... Allez, je dirais minimum 800 kilos, sinon on s'approche de la tonne avec les meubles qu'il y avait et la galerie qui est super lourde. Donc du coup, forcément, il y a les lames de renfort, les lames de surcharge en fait, de charge lourde qui touchent plus. Donc là, à l'arrière, il tient uniquement sur ses lames d'en dessous, parce que j'ai deux paquets de lames. Donc il tourne uniquement sur son... Il touche uniquement sur son paquet de lames du dessous. Et on verra une fois qu'il sera tout aménagé, quand il sera terminé. Au pire, je rajouterai peut-être juste une ou deux lames sur le paquet du dessous. Et le paquet du haut, je pourrais le virer, comme ça on aura un meilleur débattement. Parce que le problème avec les lames du dessus... C'est des lames qui sont assez dures, c'est vraiment fait pour les lourdes charges. Une fois qu'on charge le camion, ça se pose dessus, et là on n'a plus d'ébattement et la suspension est vraiment raide. Donc voilà, comme moi, lui il avait été prévu pour avoir des grosses charges, il a un 13 tonnes de PTAC. Nous, je ne sais même pas si on montera 8 tonnes, tout fini quoi. Donc ça ne sert à rien de laisser ce gros paquet de lames du dessus. Mais tout ça, on le fera une fois que ça sera terminé. Voilà, je vais vous faire voir tout ça. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi comment on va l'aménager, les trucs que j'ai commencé à réfléchir. Même si pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Hein. Ça peut changer en cours de route, bien entendu. Voyez, le paquet de lames, il est ici. Celui-là, c'est les lames de charge. Vous voyez, elles ne touchent pas en fait. Il y a un tout petit joint, il n'y a pas grand-chose, il y a un millimètre, mais elles ne touchent pas. Et en dessous... J'ai le paquet, voilà, ça c'est le paquet normal, et au-dessus c'est le paquet de charge, quand on a les grosses charges, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez ici, tout ça c'est à refaire, voilà, donc on va tout démonter. Là on a un réservoir qui est ridicule, il fait quoi? Il fait 100 litres, 130 litres apparemment, c'est rien du tout. Donc lui on va le virer en fait, on va le virer, et je vais en faire un sur-mesure ici, tout en inox, qui viendra prendre tout sous le châssis, ok? Voilà, donc tout ça c'est en bon état, regardez ça avait été changé, truc de frein, je sais pas comment ça s'appelle, je vais encore dire une connerie. Voilà, donc ça a été changé. Sinon dans l'ensemble il est vraiment en bon état, il est nickel. Hein. C'est juste que bah voilà, il y a des endroits où ça a rouillé, tous les coffres étaient complètement pourris, donc ceux-là je vais essayer de les gratter et voir si je peux les récupérer. Et en fait ce qui va me permettre ici de faire tous des meubles. Là je vais faire des gros rangements. Ok, donc lui le réservoir, il va gicler au milieu du châssis. J'aimerais faire au moins 250, minimum 300 litres, ça serait bien pour le réservoir de gasoil. Donc ça sera mis en dessous. Ici, là on a le coffre à batterie. Ils avaient fait un petit coffre en dessous, mais du coup ça perdait de la place. Donc là je vais faire aussi deux gros coffres. Et puis les batteries, je vais venir les intégrer tout simplement à l'intérieur. Et de l'autre côté, il y aura les batteries à décharge lente. Mais je ne sais pas si je vais les mettre à côté. Je pense que je vais essayer de les intégrer à l'intérieur aussi. Le gaz, il va être à l'intérieur. Voilà. Ici, il y aura un petit coffre étanche qu'on pourra ouvrir de l'extérieur
avec les deux bouteilles de gaz, 13 kilos. Ok, je veux rien mettre en dessous parce que comme la caisse elle travaille, comme on est obligé de tout passer en cuivre, si je fais passer des tuyaux de cuivre à ma force, ça finira peut-être par péter. Je préfère pas prendre le risque. Donc voilà, les coffres ici, à la place du petit réservoir. Le réservoir, lui, on l'intègre en dessous, on en fera un de 250-300 litres. Ça serait vraiment le top. Ensuite, deux réserves d'eau usée en dessous et tout ce qui est au propre, je garde tout à l'intérieur. Je ne passe aucun réseau d'eau à l'extérieur au cas où il gèle. Parce qu'on ne va pas faire non plus que des pays chauds. Il y a peut-être des fois où on pourra faire des pays froids. On aurait eu un des 4x4 avec des tentes de toit, on aurait été obligé de faire que des pays chauds. Mais on a l'avantage d'avoir une caisse maintenant. C'est pas pour être bloqué au niveau des pays par dire ah ben non, tu vois, mes réserves d'eau propre elles sont en dessous. Je vais être embêté. Donc ça, c'est clair et net que mes réserves d'eau propre, je les mets à l'intérieur et tout mon réseau passe à l'intérieur. Il n'y a aucun tuyau qui passera à l'extérieur. Voilà, comme ça, ça sera chauffé et ça sera hors gel tout simplement. Voilà, et puis ben, je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur. Hein. Vous allez essayer de vous visualiser. Je sais que c'est pas évident. Le haillon, on est encore en pleine réflexion, est-ce qu'on le garde ou pas? Ça résonne, vous avez vu? Voilà, donc en fait ici, il y aura une porte d'entrée avec un petit salon dinette qui se transforme en lit, comme dans une caravane avec des coussins, tout simple. On aura un espace vide de 40 cm qui va monter jusqu'en haut avec des meubles de rangement. Et en dessous, on aura la partie gaz qu'on récupère avec la porte qui est là-bas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, tout le système de pompe à eau, des meubles en hauteur avec une toute petite cuisine. Donc il y aura machine à laver, gazinière, plan de travail, le frigo. Ensuite, on arrive sur 4 lits superposés. Voilà, 4 lits superposés pour les enfants. Ils auront en tout 45 cm en fini dans leur lit. Donc c'est 10-15 cm de moins que ce qu'ils ont là. Ça sera vraiment pour dormir. Ça sera vraiment pour dormir. Ils ne pourront pas jouer dans leur chambre. Ils pourront faire bouquiner tout ça, allonger, mais ils ne pourront pas jouer assis dans leur chambre, bien entendu. Donc voilà, ils auront 4 lits superposés, on a regardé, 45 cm, c'est nickel. Puis ça représente un peu la hauteur que vous avez dans une capucine de camping-car. Pas les grosses grosses capucines, hein, mais les camping-cars en général, c'est ça, c'est 45-50 cm que vous avez en hauteur. Donc pour les enfants, on a regardé, ça leur suffit. Voilà, ensuite ici on aura une douche. On aura une douche de 80, un gros meuble avec un rideau. Et le rideau en fait, on aura juste une cabine de douche. Et en fait le rideau il vient fermer la cabine de douche et le meuble. Ça vous fait une grande salle de bain. Et quand vous ouvrez vos tiroirs ici, vous avez tout votre meuble de salle de bain avec les brosses à dents, voilà, tout ce qu'il faut pour prendre soin de nous. Tac. Quand on rouvre le rideau, on récupère tout l'espace ici. On aura un espace normalement de 90 voire 1 mètre, donc c'est pas mal. Et voilà, la porte d'entrée, et c'est à peu près tout. Et dès qu'on peut, on met des meubles en hauteur, on optimise au maximum l'espace et on veut que ce soit simple et léger. Voilà, vous avez vu, c'est hyper simple, hyper léger. Donc les enfants, l'avantage, c'est que je vais leur faire dans la cabine derrière, je vais leur faire tout un espace. Avec des coffres de rangement, ils auront leurs jouets, ils pourront se poser tranquillement. Et ça, c'est vraiment un plus, parce qu'ils sont vraiment, des fois, en demande de se poser tout seul. Surtout les deux grands, ils sont toujours en train de se faire embêter par les petits. Et là, le fait de pouvoir s'isoler, ils sont vraiment contents. J'ai dit, je vais vous faire un petit truc pas mal, vous allez voir. Et ils sont vraiment contents. Voilà, voilà, à peu près, les plans peuvent encore changer. Il n'y a rien qui est fait, qui est définitif, comme je disais tout à l'heure. On va lever la cabine. On va lever la cabine, j'ai pas trouvé de poignée, donc j'espère qu'ils en ont laissé une dedans. On va vider tout ce qu'il y a dedans pour qu'il n'y ait rien qui tombe sur le pare-brise ou quoi. Et on va la lever, puis je vais inspecter le moteur parce que je ne l'ai pas fait encore. Je vais inspecter le moteur, voir si c'est bien, s'il n'y a pas trop de fuite ou quoi. Et puis après, je démonte toutes les pattes qui servaient à tenir les coffres. Parce qu'on va en refaire des neuves ou celles-là, je vais les retaper, je vais voir en fait. Et bien voilà, on peut voir le moteur. Turbo. Voilà. Ici, on a le ralentisseur sur l'échappement avec le petit vérin là, vous voyez.
Là, on a le compresseur d'air, alternateur avec les courroies, tout ça c'est en bon état. C'est, voilà, c'est vieux, c'est vieilli. J'ai une petite fuite ici. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être le renifleur d'huile qui redescend. Ouais, qui redescend. Ça, c'est le renifleur d'huile, ok. Cache-culbuteur. Petite fuite ici. Ça va, c'est vraiment rien. Et intercooler là-bas, voilà. Ce que vous voyez, ça, c'est l'intercooler. C'est ça qui change des... si je dis pas de bêtises, c'est ça qui change des M150. C'est que nous, on a un intercooler, en fait. S170, M180, ils avaient des intercooleurs. Donc forcément, on gagne des chevaux. De l'air qui refroidit augmente de volume, donc plus de volume, plus de puissance dans le turbo, tout simplement. Bon, là on va essayer un truc, voilà, je sais que normalement c'est un 4x4 permanent. J'ai eu Christian, vous savez Christian, on avait fait le portrait, Christian et sa femme, ils ont un petit camion de pompiers, et j'avais fait un portrait sur eux au salon du véhicule d'aventure en Auvergne. Et il me dit c'est un 4x4 permanent, et j'ai envie de vérifier. Du coup, voir si tout fonctionne bien, bien sûr. Du coup j'ai soulagé les cieux à l'arrière, les roues elles sont dans le vide, et là, Charlotte, elle va démarrer et elle va essayer d'avancer. Donc, s'il avance avec ses roues avant, bah, c'est que c'est bien un 4x4 permanent. Et donc, pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que c'est un 4x4 permanent. Mes pneus à l'avant, ils sont beaucoup plus usés que ceux à l'arrière qui sont tout neufs. J'ai 2 cm de diamètre en moins. Donc, ça, c'est pas bon pour tout ce qui est transmission, tout ça. Alors, on va vérifier. Allez, let's go! Attention! Tu vas essayer d'avancer gentiment, hein? Hein? Chouchou, si tu vois qu'il bouge, t'arrêtes. Tu le fais pas avancer pour pas que le cric il saute. Ok? Arrête! Ah ah! Les roues elles tombent dans le vide derrière. C'est pas un 4x4 permanent. Ben, regarde. I am sure. Tu passes en première, tes roues elles patinaient là derrière. Vas-y. Regardez les roues derrière. Ou alors j'ai mon pont qui est pété, vous imaginez? Lâche. Arrête. Voilà. Là, on a le pont qui vient de s'accrocher. Tu déverrouilles tous les autres boutons et tu laisses celui 4x4 enclenché. Ah, j'ai eu peur, je pensais que ça marchait pas le 4x4. Donc là, si tu essayes d'avancer sans le faire avancer, il avance. Ouais, arrête, arrête. Ouais, il avance. Nickel. Nickel, nickel. Il y a tout qui fonctionne. Bon, bah nickel, je suis trop contente. C'est de bonne nouvelle en bonne nouvelle. Ouais, tout fonctionne bien, c'est impeccable. C'est cool. Donc on se dit à demain pour le live à 18h. N'oubliez pas, même s'il fait beau et que les jours rallongent, ce n'est pas encore l'été, on ne passe pas encore à l'heure d'été. À 19h, elle est à l'heure d'été. Là, c'est 18h toujours. Donc encore 18h. On vous fait plein de gros bisous. Bon visionnage et la semaine prochaine, on reprend 3 vidéos par semaine. Ouais, ça promet d'envoyer du lourd. Hein. Là, je suis au taquet. Je sais pas où je trouve toute cette force. Le fait de bricoler, je pense, en fait. Ouais. Ouais, mais je suis content, là. Et peut-être que tu te dis, ouais, je suis vous content, ai dit, mais j'ai hâte de partir aussi. Voilà, hein. Je vous ai dit 4 mois de travaux, donc il faut que je tienne le truc 4 mois. Si on fait 4 mois et 3 semaines, c'est grave. Bah, bien sûr que non. Voilà, je préfère bien partir, être nickel cet été, plutôt que de partir à l'arrache. Et voilà, bah, quoi. Bien sûr. Hein? Surtout qu'on est bien là. Merci pour tous vos messages que vous nous avez envoyés là avec la présentation de Martin, de Flash, de Martin. Merci pour tous vos messages de gentillesse et tout, ça fait vraiment super plaisir et bon, on est super content de repartager cette nouvelle aventure avec vous et c'est loin d'être fini. Surtout voilà. Que vous avez hâte de voir la transformation, les travaux, comment on va faire pour loger assis et tout. Il va falloir arrêter de prendre goût aux travaux comme ça hein, parce que à force je vais monter une entreprise. Hein. Non, sans déconner, j'ai hâte de partir quand même. Mais vous verrez. Rendez-vous cet hiver, vous verrez où on sera. Cet été. Cet été, ouais, mais cet déjà. Hiver, on va rouler tranquillement. Donc cet été, on ne sera pas loin, mais cet hiver, on sera plus loin. À dimanche. On vous fait plein de gros bisous. À demain. Passez un bon week-end. Bye bye. Ciao, bye bye.